Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la lettre S qui fait le son S. Nous allons voir ensemble comment l'écrire correctement selon les normes d'écriture et comment former des syllabes ou bien des sons à partir de cette lettre et aussi déchiffrer des mots, bien sûr avec des sons et des lettres que nous connaissons déjà. Bien. اليوم اخواتي اخواتي راح نشوفوا في الفيديو كيفاه نكتبوا بطريقه صحيحه حرف اس، كيفاه نكونوا بعض المقاطع بهذا الحرف، وكيفاه نهجيو ونكتبوا كلمات انطلاقا من هذا الحرف. دونك نبداو مع بعض. دائما نذكروا التلاميذ تاعنا بطرح سؤال حروف اللغه الفرنسيه، لي لاتر دو لا لانغ فرونسيز سيكريف سو كومبيان دو فورم. Bien sûr, sous quatre formes, minuscule, majuscule, script, minuscule, majuscule, cursive, ou bien minuscule, majuscule du livre et minuscule, majuscule du cahier, si c'est plus facile pour les élèves ou bien les enfants avant d'apprendre le sens du mot script et le sens du mot cursive. Donc, on va réécrire les quatre formes sur le tableau, comme on l'a déjà fait avec les premières lettres que j'ai présentées sur cette chaîne, avec le A ou bien le O. Je vous rappelle qu'il faut suivre l'enchaînement des vidéos que j'ai mis en ligne sur cette chaîne. Donc, إخواتي أخواتي, إذا حبيتوا تعلموا الحروف وهذا وين التحقتوا بالقناة، إذا حبيتوا تعلموا الحروف لأطفالكم ولا كنتوا أساتذة زملاء معايا وحبيتوا تديروا مراجعة للأطفال قبل الدخول المدرسي، ننصحكم أنكم تتبعوا نفس التسلسل اللي هبط به الفيديوهات في القناة. ودرك إن شاء الله نحط لكم الفيديوهات مرقمة، يعني 1 2 3 هكذا تعرفوا لونشينمون، لأنه كاين أشياء ذكرتها في الفيديوهات الأولى ما حبيتش أني نعاودها في الفيديوهات هذو اللي راني نحط فيهم درك. دونك بوغ بيان سويفر لونشينمون و بيان لا ميثود d'apprendre et d'enseigner les lettres aux enfants, je vous conseille de suivre les vidéos précédentes dans l'ordre, donc vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, parce qu'il y a des précisions ou bien des astuces que j'ai mis en ligne, que j'ai présentées dans les premières vidéos et que j'évite de répéter dans les vidéos que je suis en train d'enregistrer en ce moment pour éviter des vidéos trop longues et pour éviter les répétitions. Donc ça c'est un conseil. Sinon, si vous trouvez que le contenu que je présente sur ma chaîne vous intéresse, peut vous aider à enseigner vos enfants ou bien vos élèves, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos et bien sûr mettre un petit like si le contenu de cette vidéo vous plaît pour m'encourager à faire plus et à faire bien sûr mieux. Donc on enchaîne avec notre lettre du jour qui est la lettre S, minuscule, majuscule, script, minuscule, majuscule, cursive. Les deux premières formes en script, on doit apprendre à les lire, à les déchiffrer dans un mot, comme ça, sur le livre, sur le téléphone, sur une tablette, etc. Et les deuxième forme, en cursive, on doit apprendre à les écrire correctement selon les normes d'écriture, bien sûr, sur notre ardoise magique. Maintenant, vous avez l'habitude, on prend notre ardoise, on rappelle à nos enfants le sens de la page, la marge est toujours à gauche, la ligne 0 et les interlignes qui vont nous guider à écrire correctement nos lettres. Donc, daïmen, نفكروا التلاميذ تاعنا ولا اطفالنا بالاتجاه تاع الورقه، الهامش لا مارج توجور اغوش، دائما اغوش، السطر رقم صفر اللي ننطلقوا منه ونرجعوا ليه، ولي زانترليني اللي ساعدونا اننا نكتبوا بطريقه صحيحه. دونك نبداو كيما دائما بلا مينيسكول، دونك لو اس مينيسكول يطلع ان انترليني ونكتبوه بطريقتين مختلفتين. دونك اون دو فاسون ديكريغ لا لتر اس. Je monte incliné, je fais une petite boucle et je tourne. La lettre monte un interligne. Je peux aussi faire comme ça, je monte incliné et je fais un demi-cercle.
Voilà. Donc, les deux formes sont justes. L'élève a le choix de choisir s'il veut écrire avec une petite boucle, toute petite boucle, ou bien sans la boucle. Les deux écritures sont justes. Donc, je répète, avec la boucle, toute petite boucle, ici je touche la ligne, comme ça. Je peux ajouter un petit crochet ici pour rappeler que les lettres suivantes vont se coller ici. Comme je peux ne pas l'ajouter, et un autre sans la boucle. Voilà, ça c'est la lettre S minuscule. On passe maintenant à écrire la lettre S majuscule. Comme on a dit, bien sûr, les lettres majuscules montent combien d'interlignes? 3 interlignes. Donc, je monte à la troisième interligne, je fais une boucle, je descends tout droit et je tourne. Ça, c'est le S majuscule et bien sûr, la boucle, elle est obligatoire ici. Lazem ndirou la boucle. هذا الحرف يطلع ثلاثة انترلينيا ويرجع للسطر ويدور وهنا نقدر نزيدو un petit crochet pour rappeler aux élèves que les lettres suivantes vont venir s'installer ici. يعني le crochet هذا نقدر نزيدوه كما نقدر ما نزيدوش جست باش نفكروا التلميذ فقط انه الحروف القادمة ولا الحروف الجاية راح يجي ويلصقوا هنا كم نقدر ما نزيدوش يعني طريقتين صحاح. Donc à vous de choisir. Voilà, c'est le S majuscule. On nous le termine et nous chipper le S minuscule. Juste d'avoir l'ardoise taille. C'est le S minuscule. C'est le même mouvement. Neuf le haraka, l'équitable le S minuscule. Donc voilà, nous avons une petite mabat. Et nous tirons le nom de la fille et nous mettons le nom de la fille et nous mettons le nom de la fille. Donc S minuscule et S majuscule et on peut comparer نقدروا نقارنوا بيناتهم تقريبا نفس الحركة. Voilà pour la lettre du jour. Maintenant on va faire le montage syllabique. On va monter des syllabes ou bien des sons à partir de cette lettre. L'N رحين نركبوا مع بعض مقاطع انطلاقا من هذا الحرف. Donc نتفكروا مع بعض les voyelles. On va réviser ensemble les voyelles. Donc on a vu le A, I, O. Bien sûr les élèves هما اللي يمليوا عليا وكي ما يتذكروش ما يزربوش يتذكروا نكتب انايا. Donc عندنا A, I, O, U, E, E, et en dernier lieu, on a Y. لهنا ما رانيش نكتب حسب لي نورم دو ليكريتور سينون راح يدي انترليني كامل ويتكتبو هنا مي كوم لاردواز ني با اسي غروند دونك اون فا جوست فير لو مونتاج. وعندنا لا لتر دو جور اون في لو مونتاج سيلابيك افيك لي لتر مينيسكول يعني لهنا راح نستعملو المينيسكول. فوالا اس ولا افيك لا بوكل فوالا كوم سا كيما نحب. دونك لا لتر اس نو دون لو سون. حرف اس يمدلنا صوت كيعود وحده نقراوه اس كيعود في الالفابي نقراه اس كوم سا ليبر سي اون لتر ليبر. دونك هذا اس مي كيعود في داخل مقطع ولا في كلمه ما يبقاش اسمه اس يولي عنده صوت س ويكمل على حسب الحرف اللي يجي من وراه. دونك ا بارتير دو سو سون اون فا كونستروير دوطخ سون. Donc on va lire comme on a l'habitude de faire sa sa. Donc عندنا sa. On ذكرت التلميذ كيف هي لصق الحروف. Voilà, عندنا un petit crochet ici et on ajoute le a. S, i si. Voilà, il لصق le i هكذا. Si. So. ومن بعد التلاميذ راح يكملوا لنا المقاطع الاخرى لانهم بداوا يفهموا الطريقه. دونك لي سيلاب سويفونت
elles vont être construites par les élèves parce qu'ils commencent à comprendre le mécanisme, comment former des syllabes à partir d'une consonne et d'une autre voyelle. Voilà, à chaque fois que j'ajoute une voyelle différente, ça va me donner un son différent. Donc, U, ça nous donne SU. Voilà, et je précise comment je colle les lettres entre elles. S, E, SE. S, E, C. S, Y, SI. Voilà, comme ça. Donc, on révise ensemble avec les élèves, bien sûr, ou bien on les laisse essayer de lire tout seul. Ça, si, so, su, ce, c'est, si. Et on répète. Ensuite, on va demander à nos élèves d'écrire sur le cahier S minuscule script. S minuscule cursive. S majuscule cursive, comme on a l'habitude de faire, revenez aux premières vidéos sur la chaîne, vous allez voir comment je fais pour écrire les lettres ou bien reproduire les lettres avec les élèves sur les cahiers, bien sûr avec un crayon, on apprend mieux à écrire avec un crayon. Donc on va demander à nos élèves d'écrire une ou deux lignes S minuscule, une ou deux lignes S majuscule, selon la qualité de leur production, on va leur demander d'ajouter d'autres lignes ou bien s'arrêter là et passer aux syllabes. Donc pour les syllabes, on va leur demander d'écrire une syllabe par ligne. Donc une ligne pour la syllabe ça, une ligne pour la syllabe si, etc. Ou bien deux lignes selon le niveau de vos élèves ou bien de vos enfants. Et on vérifie avec eux la qualité de l'écriture. Donc on va les suivre juste pour avoir le meilleur résultat et on les encourage à parfaire leurs écritures pour avoir la meilleure note qui est 10 sur 10. Donc je vous invite à regarder, si vous ne les avez pas encore vues, les premières vidéos de la lettre A, O, I pour voir la méthode, comment écrire ou bien reproduire les sons et les syllabes, les lettres sur le cahier avec le crayon et encourager les élèves à bien écrire, avoir une très belle écriture pour avoir le 10 sur 10 pour les encourager. Donc voilà, donc je vous invite vivement à regarder les premières vidéos de la chaîne. Donc, ننصحكم انكم تعاودوا تشوفوا الفيديوهات الاولى تاع القناه اللي هي خاصه بالحرف A O, I, E. لهنا وضحت أكثر كيفاه نشجعوا التلاميذ أنهم ولا الأطفال أنهم يكتبوا بطريقة صحيحة وجميلة بقلم الرصاص على الكراس. هكذا نشجعهم أنهم يداوموا على الكتابة حتى يتوصلوا لأحسن علامة اللي هي 10/10 وريحة تكون حافز لهم أنهم يكتبوا بطريقة صحيحة بلا ما يفشلوا وبلا ما يملوا من الكتابة. دونك دركا نفوتو نكتبو ولا نهجيو بعض الكلمات اللي تحتوي على الحرف S. دونك نبداو بالكلمة تاعنا اللي لهنا اللي في لافيش هذه. إذا كنتو زملائي ولا إخوتي تحتاجوا هذا لافيش، ما عليكم غير تخليو لي أن كومنتار ونعطيلكم كيفاه نقدر نتقاسم معاكم هذا لافيش في صفحتي على الفيسبوك. دونك لهنا نحاولوا أننا نهجيو هذه الكلمة. دونك نقدروا حتى نكتبوها له الكلمة كيما راهي هكا، نكتبوها له سوغ لاردواز أو بيان سوغ لو تابلو، سا ديبون وين راكم، راكم في القسم ولا في البيت. دونك نكتبها له هكذا، نكتبها شوية لهنا الفوق. سا بان. دونك كي نكتب له في المرحلة هذه ما نهجيش وما نقراش، نخليه هو اللي يحاول يهجي وحده. دونك بالحرف بالحرف حتى يقرا الكلمه، من بعد نطلب منه انه يعاود ينقل هذه الكلمه على الكراس ولكن بالحروف تاع الكراس. il va réécrire la le mot en
cursive. Moi, j'écris en script sur le tableau et l'élève ou bien les élèves écrivent le même mot sur leur cahier ou bien sur leur ardoise. Ça dépend comment vous préférez travailler en cursive. هو لازم يكتب لي الكتابة هذه يحاول يكتب بون في البداية راح يكونوا بعض الأخطاء من بعد الطفل راح يتعلم يكتب بطريقة صحيحة وراح يعدل الخط نتاعه سا بي ن سابين لأنه ما زلنا ما قريناش هذا المقطع دونك الأطفال في المرحلة هذه راحين يقراوا لي سابين وأنا رايحة نتقبلها منهم ولكن نولهم إلى أنه هذا المقطع راحين نقراوه في المستقبل ويتنطق أن يتنطق كما ننطقوا هذا الرقم أن دونك لهنا معلومة إضافية فقط للتلاميذ ونوعدهم أننا راحين نقراو بإسهاب هذا المقطع دونك Les élèves vont lire sapine, sapine, parce qu'ils ne connaissent pas encore cette syllabe. Ils n'ont pas encore étudié cette syllabe qui est, ou bien ce son qui est un. Donc, je vais leur dire, c'est un son qu'on n'a pas encore fait, mais on va le faire prochainement et ça se prononce comme on prononce le chiffre un. Et le sapin, voilà, un sapin, c'est ça. C'est un arbre qui s'appelle Le sapin et il est vert toute l'année. Yani hada huwa le sapin. Shajara ismha le sapin. Ou là un sapin. Donc voilà, on va voir un autre mot avec des lettres qu'on connaît. Yani niktbu kalimat lit-tifl bi huruf ya'rafhom bach yqdar yhji w yqdar yiktb. Yani yiktasb khibra. Donc on va dire, on va écrire avec La majuscule, ça, sab, sabre, sabri, sabri, n, sabrine, sabri. Na, Sabrina. Sabrina. C'est un prénom de fille. C'est une fille qui s'appelle Sabrina. Et bien sûr, on fait la remarque que les prénoms commencent toujours par une majuscule. Voilà, on va voir un autre mot pour finir. Un mot que les élèves connaissent. C'est encore plus simple pour eux. On n'est pas obligé d'expliquer. Ils vont le comprendre tout seul. Donc, sar, sar. C'est les élèves qui lisent ici, c'est pas moi. Sar, de, sardi, sardine, sardine. C'est un petit poisson très bon qui s'appelle sar. Sardine, sardine, une sardine, sardine. Donc voilà pour le son d'aujourd'hui. J'espère que c'est clair. J'espère que le contenu vous intéresse, s'il vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. N'oubliez pas de partager avec vos amis, avec votre famille les vidéos pour aider la chaîne à s'agrandir et bien sûr pour aider ces personnes à découvrir ma chaîne. D'ici là, d'ici une autre vidéo, je vous dis au revoir. Wassalamu alaikum.